Virginia Giuffre a annoncé porter plainte contre le prince Andrew, lundi 9 août 2021. Elle l'accuse d'abus sexuels commis entre 1999 et 2002. Encore mineure à l'époque des faits présumés. La jeune femme aurait été victime du trafic sexuel de mineurs organisé par Jeffrey Epstein. Le fils de la reine Elizabeth II a contesté ces accusations en 2019. « Je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette femme. Absolument aucun », avait-il confié dans un entretien accordé à la BBC en 2019. Depuis, le prince a décidé de garder le silence. Un comportement qui ne décourage pas la victime présumée. « Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu'il m'a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts de rendre des comptes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur. » a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. Si Virginia Giuffre a porté plainte après tant d'années, c'est grâce à la promulgation d'une loi aux États-Unis permettant aux victimes d'abus sexuels de porter plainte malgré le délai de prescription en vigueur. Après des années d'attente, Virginia Giuffre peut présenter son affaire devant la justice. « Je sais que cette plainte me soumettra à des attaques venant du prince Andrew et de ses représentants. Mais je sais qu'en n'allant pas jusqu'au bout, je décevrai ma famille et les victimes partout dans le monde. » Désormais, l'ancienne esclave sexuelle de Jeffrey Epstein prépare son procès. Ses avocats examinent en détail l'acte de manière à lister les réparations auxquelles elle a droit. A révélé une source à The Mirror. Seule donnée qui semble agacer le camp de Virginia Giuffre, le silence persistant du prince Andrew. L'avocat de cette dernière a en effet appelé le fils de la reine à s'exprimer dans les plus brefs délais et à arrêter de se cacher derrière sa fortune et les murs du palais. Il peut m'ignorer, il peut ignorer Virginia, mais il ne peut pas ignorer le tribunal. Et s'il se moque de la cour comme il l'a fait avec les victimes du réseau sexuel de Jeffrey Epstein? Je pense qu'il se rendra compte que les conséquences ne seront pas celles qu'il aurait désirées. A-t-il déclaré auprès de la BBC. Affaire à suivre.